Salut à tous, c'est Redstone et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui on se retrouve sur un petit gameplay de Outlast 2 en mode détente. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez un second épisode ou si vous en avez strictement rien à foutre et que vous préférez les YTP. Donc on est parti. Donc si j'ai bien compris, on est le mari d'une journaliste qui est à la recherche de réponses concernant le meurtre d'une femme enceinte dans la région d'Arizona. Et donc on doit enregistrer tout ce qu'on voit. Et il faut savoir qu'on peut soit courir, soit se cacher, ou soit mourir. Donc en gros on ne peut pas se battre contre les éventuels ennemis ou entités qui seront sur notre route. S'il te plaît, Blake. Donc là on est parti, ça nous met directement dans l'ambiance. J'ai peur. Nous ne sommes pas seuls. Que va-t-il là, donc se passer? D'accord, ouais, donc là on est dans l'hélicoptère aussi, avec la autre femme. Quoi? Avec la journaliste. Dans ton rêve, Jessica, je crois. Tu connais une Jessica? Oh, non. Je veux dire, je rêvais de Jessica Gray quand nous étions gamins. Ah ouais, ça fait des années que j'ai pas pensé à elle. Hé, hey, nous passons au-dessus de terre de réserve. Vous m'avez demandé de chercher une sortie d'usine? Ouais. On peut chercher, mais il n'y a rien ici. C'est vrai que cet endroit a l'air désert. Donc déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que les graphismes sont vraiment hyper beaux. C'est vraiment impressionnant. On devrait enregistrer l'intro ici. Ça aidera le montage. Ok. Donc on a une caméra à vision nocturne apparemment. Le son sera merdique. On va devoir. Oh putain, voilà. Mais qu'est-ce que... Merde! Désolé. Le panneau de gauche ne répond pas trop, mais tout va bien. Il y a 2 semaines, une jeune femme a été retrouvée déambulant seule, pieds nus et enceinte, sur un tronçon de route désert à plus de 100 km de la ville. Oh! On a perdu le moteur! Merde! Putain! Oh là là! Donc là, faut que la... Faudrait pas qu'elle tombe tout de suite quand même. Ce serait un peu dommage. Donc là, on est en pleine chute libre. Ah ouais, d'accord. Donc déjà, ça nous met direct dans l'ambiance. Hein. Outlast 2. Donc ça promet d'être plutôt intense. Hein. Donc là... On se retrouve dans un hôpital, j'ai l'impression. Il y a déjà une porte qui s'est ouverte toute seule. Ça commence bien. Toute Jessica. Ah, là il y a un monsieur. Proviseur de l'école sûrement. Vous avez l'air louche, monsieur. On garde toujours derrière soi, on sait jamais qu'on soit suivi ou pas. En tout cas, je suis vraiment impressionné par le jeu, il est vraiment super beau. Impressionnant. Donc là, on a plein de casiers. Une petite... Oh la vache. Wow. Ben ça commence bien, franchement. On est déjà dedans là, c'est impressionnant. On va lever la petite carcasse. Hop là. La caméra, aucun pet, hein, vient tomber de 1000 mètres de haut. Pas de problème. On va essayer de trouver Lynn, hein, parce que bon, apparemment... Apparemment, la chute a dû être quand même plutôt violente. Donc franchement, on a eu la chance, hein, on aurait pu tomber plus bas. Là, on s'est scratché sur la montagne. Une grande chance. Il va quand même falloir la retrouver, la Lynn. Hein. Ok, donc là, on a la vision nocturne. Oh, bordel! Merde. Ah ouais, quand même, ça commence bien. Non, c'est pas écrasé. C'est de la merde. Donc apparemment, mais... c'est un homme, hein. C'est pas une femme, donc c'est pas sa femme. Et là, on peut voir plutôt l'intérieur de son abdomen, c'est plutôt charmant.
Bon, bah, on va continuer. Hein. Donc là, on arrive dans un petit village sympathique. Hey, y a quelqu'un ? S'il vous plaît. Hey. Hey, monsieur. Oh, merde. Ah bah... Merde. Tout le monde qui est mort ici, hein, apparemment. Ça vient d'arriver. Voilà. Ah, une pile. Là, on peut voir une statue... une statue religieuse. Ouvrir. Il n'y a pas grand monde pour m'accueillir par ici. Hein. Ah. Ok. On a un petit document. Donc ils ont l'air très croyants hein, dans ce village, apparemment. On peut ramasser du bandage, donc si on est blessé, plutôt pas mal ça. Oh la vache! Merde! Voilà. Il y a moyen de faire une petite crise cardiaque avec ce jeu quand même. Donc là on a encore plein de croix. On va courir parce que bon, faut pas que ça va faire. Hein. Là. Donc là on rentre dans... Donc chez Satan apparemment. Alors qu'est-ce que nous avons là? C'est un peu gore hein, quand même. Qu'est-ce qui... Merde. Là on a plein de corps d'enfants. C'est assez sale hein, d'ailleurs. Allez, on va monter, on va continuer notre petit bout de route. Oh la vache, qu'est-ce que c'est que ça? Je crois qu'elle me veut pas du bien en fait, donc à la limite on va courir, non? Je sais pas. Ah, là-bas il y a une pile. Donc on vient de voir une grande femme qui apparemment voulait nous défoncer un peu la gueule. C'est plutôt pas mal ça. On a une petite cuisine. Bah je crois que je vais rester là moi. On est plutôt pas mal. Hein. On va rester dans la maison. Là on a un petit banjo. Donc on peut déplacer les objets. Alors comment on pourrait monter là-haut? Donc la vieille dame est encore là, hein, je l'entends. Je voudrais quand même pas que le plancher craque, sinon on est un peu mal là quand même. Voilà. Un truc qui était sûr. Bien entendu, pour arranger le tout, on a des lunettes. Dieu, veux-tu de lui ? Il se retient. Bonjour. Dieu veut que je meure ? Ok. Hey, je suis pas venu ici pour souffrir, ok ? Vous avez l'air charmante. Ah ben enfin quelqu'un qui a l'air normal. Non en fait. D'accord, on va essayer de se barrer quand même. Wow. Oh la vache. D'accord. Oh mon Dieu. Papa, mon Dieu.
Mon Dieu. Seigneur. Seigneur. Putain, vous avez pris trop de drogue, les mecs. Vous avez pris trop de drogue. Là, on se retrouve dans les portes de l'enfer. Oh merde. Donc je crois que ma femme est derrière. Elle est en train d'agoniser là quand même. Peut-être falloir qu'on y aille, à voir. Là on est dans la cave de la de l'église. Ah, on a une clé. On a une clé. Ok, on va passer par là. Hop là. Wow. Oh putain. Oh le con, il m'a fait peur. Donc là on a des petits outils de torture, tranquille. On va se faire un petit repas ou quoi là. Il y a des patates, des carottes. On va se faire un petit truc. Oh là, ça fait une grande chute là quand même. Mon Dieu, Blake. Tu vas bien? Non. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Oh merde, il faut partir. Hey. Allez, on s'en va. Ils ont pas l'air très commodes quand même. Allez-vous-en. Nous allons être très doux. Je jure devant Dieu que le premier qui me touche, je lui crève les yeux. Dieu veut l'enfant. Non. Non. Wow. Ok. Dieu veut ok, ok. Fils, Dieu veut l'enfant. Non. 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 Wow. C'est intense, hein. Hérétiques. Hérétiques. Donc là, on est où là? Je comprends rien. Dieu sauve ton âme. J'ai regardé mon père baiser ton Dieu à mort. Waouh. Pas de prendre cher là, les gamins. Merde! Merde! Lynn! Blake! Lynn! Tout va bien, petite. Non, non, non! Oh mon Dieu de merde! Ramenez-la à la maison. Je veux partager mon amour avec le père. Qui c'est celle-là? Dieu ne t'aime pas. Pas comme je t'aime. Ouah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, arrête ça toi. Oui, mon amour. Ah. Petite mère est là. Je pense qu'on se reverra. Wow. La bonne droite qui fait du bien. Vous savez quoi? On y est en courant. Ah, c'était peut-être pas une bonne idée. Ah ouais, quand même. Vous avez bafoué sa volonté. Ok, donc on peut verrouiller. On va se cacher sous le lit. Je suis un
Bah c'est bon, on est caché là. Magnifique. Bon, on va essayer de pas se faire choper. On va se mettre bien sous l'eau. Merde. Allez. Ouah, c'est la merde là. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Vite, 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 vite. Wow. What the fuck? Il y a une seconde, on était dans le truc, là on se retrouve dans une salle de classe. Qu'est-ce que... Je rêve. Putain. J'ai perdu la tête. Donc c'était bien une salle de classe hein, qu'on a vu au début. La classe de musique. Je suis désolé de devoir faire ça. Tu aurais dû m'aimer. Tu aurais dû m'aider. Bon sang, pardonne-moi, je ne sais pas quoi faire. Je suis tellement désolé. Jessica. Swimming pool. On peut aller à la piscine. Et d'ailleurs... On va essayer de se barrer, hein, je pense. On va tenter de se barrer de cette école. Donc là, il neige dehors. On va suivre la barrière. On a trouvé forcément une issue. Wow. Ok. Donc là maintenant c'est un cratère qui vient de céder sous nos pieds. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime si c'est le cas. Et mettez-moi en commentaire si vous voulez la suite de cet épisode. Sur ce, je vous dis salut et à la prochaine.